Alors, l'espace commercial, je vais vous dire un secret, c'est le meilleur endroit pour faire des affaires. Non mais vraiment, alors par contre, faut pas le répéter à ma mère parce qu'elle va vouloir que j'aille au marché avec elle. Parce qu'elle me dit que faut aller au marché pour s'entraîner. Comme ça, on sait bien marchander et quand on arrive là-bas, on sait négocier. Mais bon, on garde ça pour nous, d'accord ? Alors, je me rappelle surtout des livres, en fait. Je crois que j'ai passé presque une demi-journée sur le stand avec un frère qui vendait des livres. Il avait une collection impressionnante. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme chez Carrefour où on rentre, on prend son produit, on paye et on part. Non. En fait, c'est bien plus accueillant. En fait, il y a une vraie chose qui se passe avec le frère qui vend. Et d'ailleurs, on a échangé pendant des heures, vraiment pendant assez longtemps. D'ailleurs, on a même échangé nos numéros, on est devenus potes et du coup c'est plus devenu un vendeur mais surtout un ami qui me conseillait, qui me donnait ses avis sur des bouquins qui pourraient me convenir. Et c'était vraiment super enrichissant. D'ailleurs j'ai hâte de le voir parce que je pense qu'il va venir cette année et on va pouvoir discuter un petit peu ensemble. Ça va être sympa Inch'Allah. Alors je dirais que l'espace commercial de la rencontre, c'est tout sauf un bazar, alors surtout pas. Et vraiment, pour le coup, je trouve que c'est carré. C'est propre, c'est organisé et il n'y a aucun problème pour circuler. Et ça, c'est excellent. Tu viens pas avec un logiciel qui te dit voilà comment acheter ceci ou cela. Non, non, c'est vraiment un moment où on vient passer un moment en famille. Et c'est vraiment un lieu ouais, familial en fait. Hein. Je plaisantais tout à l'heure avec ma mère quand je disais qu'il fallait rien lui dire. Mais en fait, non, non, c'était top. De l'avoir épanouie dans cet endroit où elle se sentait vraiment à l'aise. Et c'est des moments privilégiés, vraiment rares que j'ai envie de vivre le plus souvent possible avec ma famille. Et j'espère revenir le plus souvent possible avec elle, Inch'Allah.